J'ai vu la vie dans un BMW 645i. Je veux la baiser, je veux pas savoir son gris. Le savoir son prix, je suis passé du Grégo en Zini, prolétaire devenu aisé. Tu m'as vu chanter dans ta ville pour 15 000 avec un robot. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mes cadeaux de Noël. Chaque année je vous le fais depuis le début de ma chaîne à peu près. C'est une vidéo que vous appréciez à chaque fois et moi je suis très très contente de vous faire partager ce que j'ai reçu à Noël. J'espère que vous en tout cas vous avez passé un joyeux Noël. Je vous ai déjà dit ça dans ma dernière vidéo mais je vous le répète encore une fois. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez bien profité de votre famille, de vos proches, que vous avez été gâtés, vous avez bien mangé, etc. Pour mes parents, j'ai une paire de chaussures Nike. En fait, c'est une paire de chaussures que j'avais déjà vue. C'est celle-ci. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, j'aimais pas du tout ces chaussures au début. Mais en fait, ça me fait des petits pieds, donc c'est cool. Voilà. Elles sont trop belles et j'arrête pas de les mettre en fait. Elles sont noires avec le signe Nike Rose Gold. Elles sont trop jolies, j'aime trop. En fait, avec mon papa, j'avais commandé une nouvelle vitre pour mon téléphone parce que celle que j'avais avant, je l'ai prise en photo, je l'ai pas enregistrée, mais c'était une catastrophe quand je l'ai enlevée. Et j'ai eu des écouteurs aussi parce que mes écouteurs Apple ne marchaient plus. Et du coup, je piochais un peu dans tous les écouteurs que je trouvais chez moi. Mais voilà, les écouteurs, c'est toute ma vie, donc c'était très important que j'ai des écouteurs. Et du coup, mon papa m'a racheté ces écouteurs. C'est pas les Apple parce qu'ils coûtent super cher pour ce que c'est, donc c'est abusé. Et en plus que mes écouteurs et mon chargeur se sont pétés en même temps, donc c'était super. C'est qu'ils m'ont acheté ceci. Donc en fait vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Donc en fait c'est une mallette pour l'art appliqué par mon frère. Ça vraiment. En fait je m'y attendais un peu, mais je sais pas, ça porte la confusion. Cette enceinte là, donc j'avais proposé la Bose, mais elle coûte on va plus cher. Et celle-ci est vraiment vraiment bien comme, comme enceinte. C'est la JBL Flip 3. Voilà, et elle a vraiment un très très bon son. Je sais que dans ma dernière vidéo, j'ai fait la playlist avec ça, avec mon enceinte, parce que au montage, c'est hyper hyper chiant. Moi j'en ai marre de filmer des playlists et de passer 40 heures sur le montage pour bien que le son soit synchronisé avec mes paroles, etc. Et c'est hyper chiant. Du coup je me suis dit, là j'ai une bonne enceinte, etc. Juste le son ne vient pas de mon enceinte, elle vient de mon micro. Mon micro c'est un des premiers prix, trop joli et un son de malade quoi. Donc voilà, je suis super super contente. Du coup elle m'a acheté celui-ci à Mango. Voilà, donc il fait sa cadeau hein. Donc il est bordeaux. Plus de ça, elle m'a offert ceci. Il était plus en vente, enfin il était introuvable. Et du coup ma soeur me l'a retrouvé. Donc il vient de chez Emma, il est comme ça. Vous savez c'est un desk planner. Ouais, ça. Et j'ai eu un rouge à lèvres de chez The Balm. Donc c'est celui que je porte dans ma dernière vidéo. Donc le nom c'est Trust Your Tea. Je vous mettrai en barre d'infos. Mais en fait c'est un marron. Donc c'est un rouge marron que je voulais. Je l'ai mis dans ma playlist. En plus de chez The Balm, j'aime trop. Et en plus, c'est avec un embout mousse. Donc, on peut pas mieux avoir, je pense. Il est mat et il tient, mais genre super, super bien. Donc, ensuite, par Ilona, donc la copine à mon frère. Je m'attendais pas du tout à voir ça. Donc, j'étais genre trop contente. Donc, j'ai tout d'abord eu un nouveau carnet de croquis. Il est super grand et donc il vient de chez Sculptura. Et donc, c'est un carnet de croquis multitechnique. Donc, on peut utiliser l'acrylique, l'aquarelle, la gouache, le crayon de papier et la pastel. Parce que c'est des... Oh j'aime trop. J'aime trop le grain du papier. Et en fait vous voyez c'est des feuilles assez épaisses. J'ai eu 6 pro marqueurs. Alors comment vous dire, j'étais genre super super contente. C'est des couleurs assez foncées. Donc il y a du violet, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du... Ensuite j'ai eu de l'argent ou alors des chocolats. J'ai eu énormément de chocolat, et c'est pas fini hein. Du coup en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie du coup ma famille et mes proches qui m'ont acheté tout ça parce que ça me fait hyper hyper plaisir et je pouvais pas mieux demander, donc merci merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou alors à cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté du bouton s'abonner pour être au courant de toutes mes vidéos qui sortent ou quoi. Ciao ciao.